très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce magnifique châle nuance au crochet. C'est un modèle super facile et super accessible. C'est un vrai modèle débutant car il ne se constitue que de brides. La fiche de réalisation de ce magnifique châle est également disponible avec le diagramme dans la description de cette vidéo. Le modèle que je vous propose a été réalisé avec le fil Nuance Alpaga de chez Lou Passion. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de sa boutique directement dans la description de cette vidéo. Il mesure 160 cm sur 85 sans les pompons. D'ailleurs, je vous montre à la fin comment réaliser les petits pompons. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous en remercie infiniment les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose l'intégralité de mes fiches de réalisation en format PDF. Je vais utiliser un super cake de chez Lou Passion. Le fil Nuance Alpaga, c'est vraiment une pelote énorme, 250 grammes, 940 mètres, 20% d'alpaga, 80% d'acrylique, se crochette avec des aiguilles taille 2,5-3. Vous pouvez débuter le cake soit par le milieu, soit par le bout ici. Je vous dis ça parce que en fonction de la couleur que vous voulez, voilà, vous pouvez très bien envisager les deux. Moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé sur ce type de cake de commencer donc par là, par le côté. Et juste pour pas m'embêter, j'avais prévu un petit carton ou un petit récipient juste pour laisser le cake dedans et pour éviter qu'il s'éparpille un peu de trop. Bon, là, moi, je vais commencer par le milieu et je vais utiliser un crochet taille numéro 3. Au niveau du matériel supplémentaire, vous pouvez très bien utiliser deux petits marqueurs à laine pour marquer à chaque fois le début et la fin du rang. Je vais vous montrer comment les utiliser si vous débutez au crochet. Je trouve que c'est vraiment super utile d'avoir ce type de petits accessoires. Et on peut également utiliser une carte, donc voilà, une carte de fidélité de magasin pour venir réaliser le petit pompon. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous montrer donc en tuto pas à pas comment réaliser un petit pompon. Voilà ce qui me reste à la fin de ma pelote après avoir terminé mon maxi châle. Et je vais vous montrer en démo donc avec ceci, donc qui est la fin de ma pelote, comment réaliser votre châle. C'est un modèle super facile et assez rapide, je trouve, à réaliser. Je vais également vous proposer un diagramme et si vous avez besoin d'explications supplémentaires ou que vous êtes tout simplement plus à l'aise avec les fiches PDF, cette fiche est disponible dans la description de cette vidéo. On va commencer par réaliser un nœud magique. On bloque avec une maille en l'air et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, plutôt que de faire une maille serrée, une maille en l'air, faire directement trois mailles en l'air. Moi, je préfère réaliser ma première bride de cette façon-là. Je trouve qu'on a un rendu vachement plus joli au niveau des finitions. Donc là, on a notre première bride et on va en faire quatre supplémentaires. 2, 3, 4 et 5. Donc on a un total de 5 brides. Ensuite on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ici on va avoir l'angle de notre châle. C'est vraiment la pointe qui va venir former le triangle du devant quand on va avoir notre forme comme ceci. Vous voyez ? Donc là, on est à ce niveau-là, au niveau de l'angle. On reprend avec 5 brides. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4 et 5. On tire. Comme ceci. Donc là, on a formé le premier rang. Et on va venir travailler que en bride du début jusqu'à la fin. On viendra à chaque fois faire une triple augmentation au début, notre augmentation dans l'angle et une triple augmentation à la fin. Vous allez voir, tout se répète du début jusqu'à la fin. Là, c'est le modèle débutant. Si c'est votre premier châle, vous êtes sur la bonne vidéo. Il n'y a que des brides à faire.
Donc, on commence, on tourne directement, on pique toujours dans les deux brins et on piquera dans les deux brins du début jusqu'à la fin. Et dans la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Exactement au même endroit, on fait de nouveau deux brides. Une bride. Deux brides. On a un total de trois brides. Une, deux, trois. On va venir marquer la première. Donc, moi, c'est facile. Comme je commence en faisant une maille serrée, une maille en l'air, je viens mettre mon marqueur dans la maille en l'air. Voyez? Une, deux, trois mailles. Ensuite, jusqu'à arriver dans l'angle, on va travailler normalement une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc normalement, on doit en faire 4 et on pique à chaque fois dans les deux brins. Une. Deux. Trois. Et 4. On arrive dans l'angle. Et dans l'angle, on fera toujours la même chose du début jusqu'à la fin. À chaque fois qu'on sera dans les deux mailles en l'air ici, on fera directement en piquant, voyez, comme ceci. On va faire deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Une, deux. De nouveau, deux brides. Une et deux. Vous voyez? Et on fera toujours ça. À chaque fois dans l'angle, on fera deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Du début jusqu'à la fin. Un jeté, on pique dans les deux brins. Et on va venir, sauf dans la dernière maille, faire à chaque fois une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Comme là tout à l'heure, on en a fait 4. Automatiquement, pardon, on va devoir en faire 4 de ce côté. Une. 2, 3 et 4. Il nous reste une maille à travailler. Vous voyez, pour moi, c'est la première quand j'avais fait une maille serrée, une maille en l'air. Dans la maille en l'air, ici, on vient faire 3 brides en piquant toujours, 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 du début jusqu'à la fin dans les deux brins. Une bride. Deux brides et trois brides. Et on va refaire toujours la même chose. Pour réaliser le troisième rang, de nouveau, on pique directement dans les deux brins. On fait une maille serrée, une maille en l'air et on vient directement marquer la maille en l'air. Comme ça, lors du rang suivant, on saura où est notre dernière maille à travailler. Et en fait, là où on met nos marqueurs, c'est toujours là où on fera une triple augmentation. Donc là, on a déjà fait. Une bride, au même endroit, on vient faire de nouveau deux brides. Donc une et deux. Et maintenant, on va venir faire, encore une fois, une bride dans chaque maille qui se présente à nous, en piquant toujours dans les deux brins. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7 et 8. On arrive dans l'angle, ici, on vient faire de nouveau deux brides. 1, 2, deux mailles en l'air. 1, 2, deux brides. 1, 2. Et vu qu'on a mis un marqueur, on va venir faire des brides dans toutes les mailles qui se présentent à nous, sauf là où on a mis notre marqueur. On viendra faire une triple augmentation à cet endroit-là. Donc on ne fait que des brides. Vraiment, si vous débutez le crochet, moi, je vous conseille de vous munir de petits marqueurs comme ceci. C'est super utile pour être sûr de ne pas perdre le compte. Vous voyez, on fait des brides toujours en piquant que dans les deux brins. Si ça va trop vite, n'hésitez pas alors soit à aller consulter les vidéos où je vous apprends en pas à pas comment réaliser tous les points de base au crochet,
ou à vous servir de la petite manette pour ralentir la vidéo. Là, on arrive au marqueur, on vient faire trois brides au même endroit. Une, deux et trois. On vient de finir le troisième rang. On va en faire un encore ensemble. On pique directement dans les deux brins, une maille serrée, une maille en l'air. On met le petit marqueur sur la maille en l'air, comme ça pour le rang suivant, on saura qu'ici, on viendra faire une triple augmentation. Donc là, on a fait une bride dans cette maille et exactement au même endroit, on fait deux brides supplémentaires. Une et deux. Et jusqu'à arriver dans l'angle, de nouveau, on ne va faire que des brides, normalement, en piquant toujours, toujours, toujours dans les deux brins. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrive dans l'angle, alors de nouveau, on fait deux brides, une, deux, deux mailles en l'air, une, deux et deux brides. Une et deux. Donc là, comme on a fait 12 brides de ce côté, automatiquement, on va devoir avoir 12 brides avant d'arriver à notre marqueur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Au niveau du marqueur, on l'enlève. Oups. Et on fait 3 brides au même endroit. Une, 2 et 3. Donc là, moi, je mets juste mon marqueur là pour faire une pause. Vous voyez? Et en fait, on va continuer comme ça du début jusqu'à la fin. Après, vous pouvez faire moins grand si vous voulez. C'est vraiment à vous de décider quel aspect vous voulez donner. Je vous ai donc préparé un petit diagramme, je me suis dit que ça pourrait être plus sympa également de vous le montrer comme ça. Donc là, on a fait notre cercle magique. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. 1, 2, 3, 4 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. C'est notre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on a fait une triple augmentation, puis on est venu travailler 1, 2, 3, 4 mailles normalement. On est arrivé dans l'angle, on a fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 3, 4 mailles et dans la dernière, une triple augmentation. Pour le rang numéro 3, pareil, on a commencé par une triple augmentation, puis on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 brides et arrivé dans l'angle, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 brides et on est revenu en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides et on a terminé par une triple augmentation. Rang numéro 4, rebelote, une triple augmentation au début, une triple augmentation à la fin et nos augmentations ici. Vous voyez, ça vous pouvez très bien le recopier et le faire au fur et à mesure. Comme ça, si vous débutez le crochet à chaque fois, et ben vous pouvez directement compter le nombre de mailles et vous saurez directement si vous avez commis une erreur. Alors c'était les guillemets. Au niveau d'un rang. Là par exemple, pour le rang numéro 2, vous devez avoir
au-delà des augmentations et de l'angle, 4 brides. Pour le rang numéro 3, 8 brides. Pour le rang numéro 4, 12 brides. Et donc après, en fait, vous avez juste à faire le calcul. À chaque fois, à chaque nouveau rang, vous devez ajouter 4, plus 4, etc., etc. On va maintenant passer à la réalisation des glands. Donc pour ça, moi, j'utilise une carte, voilà, qu'on peut trouver n'importe où dans son portefeuille, je pense. Je vais venir couper un premier morceau, donc voilà, environ d'une quinzaine de centimètres. Et je vais le laisser de cette façon-là, pendant que je vais venir enrouler mon fil tout autour. Donc je m'aide de ma petite carte de fidélité et comme ceci, donc je fais une fois le tour, deux fois le tour, trois fois le tour et on va faire ça au total 40 fois. Et voilà, une fois que vous avez fait vos trois petits pompons, vous venez les fixer sur votre châle. N'hésitez pas encore une fois vraiment à venir me contacter sur Instagram si vous avez besoin d'aide ou par mail. Ça me fait toujours super plaisir de vous répondre et surtout de voir vos magnifiques réalisations. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !